Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, je commence cette vidéo par la fin. Donc ce qui devait être un coup de tête pour Treigna s'est finalement transformé en road trip de 3 jours. Donc là on est à La Ferté-Saint-Aubin. Donc j'ai quitté le Sud-Essonne pour prendre Treigna en passant par la 71. Ensuite finalement j'ai poussé à l'ouest dans l'Indre. Et donc là, finalement, je retourne dans l'Essonne en passant par le Loiret. Alors, que dire de Treigna? Donc, je suis arrivé samedi, pensant qu'il allait y avoir pas mal de trucs sur place. Donc, en me renseignant un petit peu au niveau de l'organisation, pour l'anecdote, on m'a répondu, ici, c'est pas grôlé. Donc, c'est plutôt ambiance familiale, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant sur place, c'est la bourse aux pièces. Il y a énormément d'exposants, énormément de mobilettes à acheter. Et donc ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est la balade du dimanche après-midi, donc qui est partie à 14h. Et tout de suite après le départ de la balade, tous les exposants ont commencé à emballer. Donc nouveauté cette année, donc je suis arrivé le samedi, il y avait déjà les exposants sur place, donc j'ai pu faire quelques emplettes. Avant, on va dire que le gros du monde arrive le dimanche matin. Voilà, donc là, bah, il fait pas beau aujourd'hui, il y a une espèce de brume qui mouille. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon pantalon de pluie et puis donc pour filmer le retour du road trip, ça va être compliqué étant donné que les micros de la caméra, la GoPro n'aime pas l'eau. On est déjà flingué une, donc voilà. Donc ce que je vais faire dans la description, je vais mettre un petit chapitrage, comme ça vous pourrez prendre ce qui vous plaît, Treigna, le petit road trip, quelques prises de vue aussi, de belles images, on va dire, des couleurs d'automne. Là le retour, de toute façon il n'y aura rien d'intéressant, le Loiret c'est plat, c'est des longues lignes droites, des éoliennes et puis voilà. Et donc pour finir, j'ai pas vu un gendarme du week-end hein, sur Treigna. Donc ceux qui ont des mobs préparés, des mobs hurleuses, voilà, ça roule tranquille. Hein. Donc ça tourne, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous situe un petit peu le contexte. Je traînais hier soir un petit peu sur le live à Mob Eleven. Ensuite j'étais un peu sur Facebook et à chaque fois on parlait Treigna. Donc du coup je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé un petit peu, ça me faisait 300 bornes. La météo, c'était pas sûr qu'il fasse beau, donc du coup voilà, je suis passé à autre chose. Et ce matin en sortant, je vois grand soleil. Et donc du coup sur un coup de tête, hein, j'ai mis des sous-vêtements dans un sac. J'avais deux vieux beignets que j'ai jetés dedans aussi, deux bouteilles de canettes de Red Bull sans sucre et puis voilà, je suis sur la route. Donc là il me reste à peu près 200 bornes à faire, je monte sur l'autoroute, donc direction Treigna pour voir un petit peu ce que ça donne en tant que spectateur. Donc je vous laisse là et puis je vous reprends en arrivant là-bas. À plus. Je suis arrivé à Treigna, donc je me suis perdu en cours de route, c'est pas grave, j'ai découvert un peu la région et en fait j'avais mal lu les infos, hein. C'est demain, c'est pas aujourd'hui, donc là il y a quand même déjà les exposants qui sont en train de vider. J'ai fait un petit tour, il y a des choses à acheter, donc j'ai besoin de 2-3 bricoles, je vais voir si je trouve ça et puis on va repasser demain quand il y aura plus de monde. Thank you.
Bonjour à tous, jour 2 dans l'Allier, donc on est dans la région de Trégnat toujours, sur Montluçon. J'ai pas eu le courage de dormir au camping. Grosse surprise, cette nuit il a fait au moins moins 3 ou moins 4. Donc je vous montre l'état de la moto. Donc pleine de givre, donc là ce que je vais faire, je vais la mettre un petit peu au soleil. Et puis direction Trégnat, donc normalement aujourd'hui l'expo mob elle devrait être prête. Et donc on va regarder un petit peu l'ambiance sur place aujourd'hui. A plus. Ouais. Elle est sympa. Le mot. Oui, c'est la même chose.